Salut tout le monde. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo en compagnie toujours de mon fils, Elias. Mmh. Voilà, sur Minecraft Builder and Biomes. On vient d'acquérir ce jeu. Le thème te plaisait beaucoup? Oui, parce que moi, Minecraft, ça m'y connaît un peu. Ça m'a plu déjà quand tu l'as pris. Ça m'a beaucoup plu déjà. On l'a regardé depuis un moment. Ouais, le thème est vraiment sympa. C'est vrai que pour les enfants d'une dizaine d'années, le Minecraft, voilà, c'est un jeu incontournable. C'est un jeu de Ravensburger. Ça se joue entre 10 et 99 ans. Enfin, c'est rigolo. Entre 2 et 4 joueurs. Bon, à 2, ça se joue bien. Hein. Oui, ça se joue bien à 2. On a fait une partie à 3. C'est un peu plus long, mais ça va aussi, c'est pas mal. Ouais, mais c'est bien, le truc à 2. Franchement, à 2, c'est pas mal. Vu que ça descend plus vite. Ouais, il y a un chronomètre avec les ressources qu'on va expliquer. Bon, c'est pas une vidéo règle, hein, comme d'habitude. Hein, on va jouer, hein, c'est tout. Puis essayer de ça rigoler. Donc, les parties, c'est 30-60 minutes. Ouais. On a tendance à... Bon, on rallonge un peu, nous, mais... Donc, on a fait ça. Et on a fait une début de mise en place, mais on voulait un peu vous montrer les tuiles. Est-ce que tu veux expliquer un truc Les armes. Les armes. Ouais, alors, les armes. Autour des tuiles, ici par exemple, on a des armes qui y sont. Et si on peut les récupérer, par exemple, il faut d'abord qu'on se déplace jusqu'ici et qu'on fasse une action qui est prendre une arme. Et du coup, on la prend et on la révèle et on la met dans notre petit tas qu'on a déjà ici. Et c'est. On a une patate, enfin trois patates. Une épée en bois et une épée en pierre. Une épée en bois qui fait une attaque, c'est ça? Voilà. Les petits cœurs, c'est les attaques. C'est les attaques. Ouais. Et une épée en pierre, qui fait deux. Donc ça, c'est notre stuff de... Comment on dit? Départ. Notre équipement de départ. Donc on a trois patates. Ouais. Voilà, donc on verra les combats. Il faut en piocher trois. Trois tuiles. Quatre s'il y a... Trucs spéciaux un peu sur les armes. Quatre si on a un arc. Qui nous fait piocher une carte, comme ça en plus, il y a un petit symbole coffre juste là. Pour le montrer, il y a des petits symboles. Parce que derrière, c'est un coffre aussi, donc ça veut dire qu'on peut en prendre une en plus. Bon, voilà, il y a des armes un petit peu avec des petits pouvoirs, il y en a qui donnent de l'XP, Il y a la du coup, qui donne 2 XP. Ouais. Il y a une épée en diamant qui fait 4 cœurs et une TNT, il y a plein de trucs. C'est pas le... le principe, c'est le principe de Minecraft, quand même, hein, le principe de jeu, on va pas expliquer les règles, mais on se déplace, on découvre des terrains, s'il y a des monstres, on peut les attaquer avec nos armes, s'il y a des terrains, des bâtiments, enfin des trucs un peu, on peut les construire en récupérant avec les ressources qu'on va... Et on peut récupérer des ressources. Oui. Deux ressources, ça c'est sympa. Ça. Franchement le matos, alors on a mis ça dans la boîte de... Monsieur, voilà, il y a tout ça comme ressources, les cubes sont immenses, franchement le matériel est pas mal. Donc on construit un cube de cube, comme ça, je sais pas si on voit bien, voilà, après, on met dedans, on met tout ça dedans, allez, c'est cool. Comme ça, là, il y en a un qui bloque, voilà, mise en place. On a fini de mettre en place. Ok, voilà. Voilà. Il manque un cube. Là. Voilà. Voilà. Alors. Après, on tire sur les deux languettes et tac. Tatan. Voilà. Explique, c'est quoi les ressources? Alors, les ressources, on peut prendre de la pierre, du sable, du bois, de l'obsidienne en noir. Parfois, on peut comprendre avec le bois, je ne sais pas si vous voyez très bien. Et l'émeraude. Qui fait Joker, qui du coup sert comme. Qui peut faire toutes les ressources. Ouais, c'est une ressource Joker qui remplace n'importe quoi. On peut récupérer les ressources que si on voit le haut et qu'il y ait deux autres faces visibles. Par exemple, là, c'est d'abord on peut récupérer que les quatre coins, et après, si je prends celle-là, si je prends celui-là par exemple, et ben après je pourrais prendre le bois parce qu'il y a deux faces visibles plus celui au-dessus. Ouais. Ou le sable, parce qu'il y a la face ou visible. Ou le sable aussi. Et puis celui d'en dessous. Et celui d'en dessous. Et on peut, on peut choisir, on tourne comme ça, et on choisit deux ressources quand on fait l'action de récolter les trucs. Alors, moi je vais expliquer un peu les tuiles, là c'est un peu plus... Le principe du jeu, c'est de faire des points.
c'est pas de combattre des monstres, le plus de monstres. Il y a trois phases en fait, c'est assez rigolo ces trucs-là. Il y a la phase A, la phase B et la phase C. La phase A, le décompte se fait quand la première couche de ressources est vide. La phase B de décompte, c'est quand c'est la deuxième. Et la phase C, c'est quand c'est la troisième. Ouais. Et ça sera la fin de la partie. Donc on peut retarder une phase en piochant tout en bas ou à la deuxième, à la troisième pour retarder la phase 1 de décompte. Ouais. Et en fait, c'est un jeu de collection de symboles, on va dire. C'est un jeu de collection de symboles. Donc il y a des sur les tuiles, il y a des symboles. Ici, on a trois. Le dessin, on s'en fout un peu. Enfin, c'est joli, mais c'est pas ça qui compte. C'est vraiment ces trois petites icônes qui sont là. Ici, on a l'icône pour la phase A, la phase B et la phase C. Donc le premier, c'est les terrains. Ensuite, c'est des bâtiments. Et puis le troisième, c'est quoi ces symboles là? Je connais pas. Il y a les mais Il y a un pont. Il y a un pont. C'est des aménagements, non? C'est genre le des deuxième, aménagements. Le deuxième, c'est le type de construction. Enfin, c'est le type de construction. Enfin, avec quel matériau? Quel matériau? Ouais, des maisons et en pierre, des maisons en sable. Et la face C, c'est la. Ça là. C'est quoi? Je saurais pas trop comment. Ouais, dire. C'est des symboles. C'est des symboles voilà. De jeu qu'il faut collectionner. Donc plus on en a, plus on en a. Donc on va essayer de collectionner le plus de symboles arbres et ça sera 3 points par symbole arbre qui seront connectés ensemble. Mais du coup, on a aussi parfois des bonus sur les monstres, du coup, qu'on peut combattre. Mais par exemple, souvent, ça, voilà. Il y a un monstre, ça, c'est un. C'est quoi? C'est un creeper. C'est un creeper. Et il explose normalement. Ouais, il explose, mais là, il explose pas. Donc il y a sa vie qui est ici en bas. Un petit bonus ici, donc là, c'est des points de victoire. Ça peut être d'autres points de bonus. Et là, du coup, si en fait, quand on l'a, donc on le prend, donc on le met dans notre. On le garde, et quand on veut. On peut la défausser et on a le droit à une action en plus. Ouais, là c'est ce petit symbole-là. Bon, ça on va pas expliquer. Il y a des petits monstres ont un petit symbole ici bonus, ici d'action, et puis là en général c'est des points de victoire. Là il y a que des points de victoire en fait. Ouais. Ouais, donc ils ont tout. Quand on attaque des monstres, on gagne des points de victoire et machin. Donc voilà, donc il y a plein de tuiles comme ça. Voilà. Et on va essayer de collectionner. Alors moi au début je commence par exemple avec 3 arbre, donc si j'arrive à en mettre un quatrième, un ici, j'arrive à en construire un ici, donc ces 4 là seront connectés et donc ça me fera 4 fois 3 parce que c'est 3 points par type forêt, ouais. Donc ça me fera 12 points. Donc le but ça va être que j'en construise le plus possible comme ça, tac tac tac, pour la phase numéro 1 et voilà, pour marquer le plus de points possible pour la phase numéro 1. Et pour la phase numéro 2, il va falloir connecter les maisons. Donc là j'ai une maison en sable ici en bois, ici en bois. Et si j'en mets une en bois ici, bah, celle-ci n'est pas connectée. Pour le moment, j'ai une zone de 2. Donc ça me fera 2 fois 3, 6, 6 points. Il faut que je... Parce qu'on peut construire par-dessus, il faudrait que je construise une maison en bois ici pour construire une zone de 4. Et puis pour la phase numéro 3, pareil, on regarde le symbole du bas. Donc ici, j'ai un espèce de petit crabe, je ne sais pas ce que c'est, ici aussi, qui rapporte pas mal de points. Donc mon but, ça va être de construire un petit crabe ici. J'appelle ça un crabe, je ne sais pas, pour avoir une zone de 3. Et puis... Crabe. Ouais, ça là. Ça, c'est un truc où il y a des animaux, c'est un enclos. Ah, c'est un enclos. Ouais. C'est vrai, on dirait une araignée ou un truc comme ça. Bon, j'aime pas les araignées, alors je dis crabe. Puis là, on a des comptes des points. Donc voilà, donc on a commencé donc, à faire une mise en place. On a un terrain de 4 par 4, où dans chaque. Dans chaque colonne, il y a 4. Il y en a 4 aussi. Donc bon, on a commencé. Bon, c'est une mise en place un peu. On a fait un début de mise en place pour accélérer un peu le truc. Mais on va finir les deux dernières lignes. Vas-y. Et nos petits personnages sont au centre de cette zone-là. On peut se déplacer de 2 maximum. Ouais. Ouais. Bon, on n'est pas là pour expliquer les règles, mais bon. Wow. Celui-là est relativement simple. Je pense qu'on fera pas trop d'erreurs. Si on en fait, mettez-les dans le commentaire, comme d'habitude. Mais ça devrait bien se passer. Ouais, on espère. À toi, tu mets les armes. Ouais, vas-y, mets les armes. De façon aléatoire. Voilà, le petit terrain. Attends, je décale ça. Effet. Décale les ressources. Bon, j'espère que le cadrage est pas mal. C'était pas facile. Tiens, si tu peux mettre ça en dessous. Ouais. Là. Ah oui, mais là, ça va. Bon, c'est pas grave. 3 dernières. De toute façon. Là, ça. Ça, du coup, on prend. On mélange. Comme ça. Et au premier combat, on tirera 3 tuiles. Pour dire que ça ira fortement des patates et une petite épée. Donc il va falloir se stuffer en allant chercher des armes. Ouais.
Alors, piquer, collégramme, bah tu commences. Ouais, alors je me déplace de 1 ici. Du coup, je déconduis 4 tuiles autour parce qu'elles sont adjacentes. Hop, alors c'est pas mal. Et deuxième chose, bah, je vais prendre des ressources. Donc, je vais prendre ça, un émeraude. Et un deuxième émeraude. Alors, bah, je vais faire pareil que toi. Je me déplace, je découvre. Un coin, un bandit. C'est quoi, elle a une vie, l'araignée? Oui, l'araignée, c'est une vie. Il y a 6 types de monstres. Il y a l'araignée, le zombie, le squelette, le creeper, la sorcière et l'enderman. Une émeraude, c'est ça? Une émeraude. Et qu'est-ce qu'il me faut? Tiens, et un bois. Tiens, une boîte. Toc. À toi, je fais mes deux actions. Alors, première action, je vais prendre déjà des ressources. Donc, je vais prendre du bois et de la pierre qui est juste là. Et deuxième action, je construis ça. Ici, pour un bois et une pierre que je vais mettre ici pour la défausse. Ok. Ok. Ben celui-là, il est dur à faire. Ouais, il y a des bâtiments qui sont plus ou moins durs suivant le truc, mais c'est à cause de la maison grise. Parce que je vais me lancer dans les maisons en pierre. Ouais. Ben, ça vaut 5 points à la face B. Il me faut une obsidienne, deux pierres, un bois. Bah écoute, moi je vais me stuffer tranquille. Allez, pas de TNT. Yes, une pioche. Nice. De cœur que je rajoute. Première action, est-ce que j'essaie de combattre quand même? Non, t'as fait deux actions. Ah oui, ah, vas-y à toi. Moi je vais faire 1, 2. Je vais aller voir déjà ce qu'il y a là. Tac, et deuxième action, je vais prendre ça pour une épée en fer. C'est pas mal. Fais voir ton épée en fer. Combien de. 3 cœurs. C'est pas mal. Waouh, 3 cœurs. Bon, je vais pas faire la même erreur que d'habitude. Alors, je vais me stuffer. TNT. Encore. J'adore les TNT. TNT, c'est un one shot. Si j'utilise, elle est super puissante. Elle fait 5, mais j'utilise une fois. Quoi. Il ne veut pas disparaître après. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer l'araignée. Ok. Petite araignée. Hein? TNT. Deux. Patate. T'aurais une patate à la place de l'épée. Ouais, j'aurais été. C'est ce qui m'est arrivé à la partie d'avant. Donc, au moins, j'ai fait une attaque, donc je la tue et je décide de ne pas utiliser ma TNT. Donc, tu gagnes 2 XP. 1, 2. Plus, t'as une action en plus. Et si je veux, je la défausse à ce tour-là pour faire une action en plus. Ouais. Si je veux, je la garde et je peux la défausser plus tard pour refaire une action. Ouais. Mais, je vais. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça. Je la défausse. Je la défausse, hein. Je ne regagne rien et je vais gagner. Et je vais aller prendre des ressources. Ouais. Je vais aller prendre des ressources. Alors, il me faudrait de la pierre. Et, oh là là, je vais te libérer encore. Ça va pas du tout, ça. Il n'y a pas d'autres pierres. Purée. Non, tu peux tout bouger. Ouais, pardon. Mais si tu prends des ressources. Bah, vas-y, je prends du sable. Ok. Ça me servira bien. Alors, première action, je vais prendre cette arme. Ouais. Ou en or. Okay. Ça m'a pris des XP. Et je vais faire 1, 2 ici. Je vais prendre ça. C'est un petit squelette. Ouais. Et ça, plus 3, il est pas mal. Parce que 3, en fait, c'est un multiplicateur. Il t'augmente de 3 points les zones avec des arbres en neige. Ouais, ils sont déjà à 6 points, ça fait 9 points. Il est tout, ouais, lui. Il est là. Non, putain, ils sont très puissants, certains. Ouais, il est pas mal. C'est ça qu'il faut trouver en fait. Il y en a qui sont des multiplicateurs. Ouais, ils sont pas mal. Moi, je vais faire 1. Je vais découvrir aussi. Mm-hmm. Oh, 2 pierres. Ok. Je vais prendre obsidienne. Ouais. Et jade. Émeraude. Pour moi, une pierre verte, c'est jade. À toi. Je vais faire 1 ou 2 ici. Je vais découvrir du coup. Un underman. Ouais, la dernière partie, c'est ça que j'avais vu. C'était celui-là. Ouais. 2 points de plus par maison. 2 points de plus par maison en bois, ça fait 5 points. Ouais, ça monte à 5 points, c'est pas mal. Je vais prendre ça. Je vais construire ça pour mes deux émeraudes. Du coup, qui sont des jokers. Hop. T'as déjà une jaune de 6. 5. 5. 5 en sable. Mmh. 5 x 4, ça fait déjà 20 points. Ok.
Je vais construire ceci, n'est-ce pas? Pour deux pierres, un bois. Tiens, d'accord. Voilà. Bon, moi, elles valent que 3 points, alors il va falloir que je les. Première c'est action. Plus simple. Deuxième action, je vais ici. Ça découvre ça. Non. Je veux pas. Pardon, je reste là. Et vu que j'ai découvert, je découvre. Ça peut être une action, je me déplace pas, mais je découvre aussi. Ah oui, si je voulais pas. Ah bah oui, du coup, ça découvre l'autre aussi. Bah oui. Ok, bah moi je vais combattre le zombie. Vas-y. Là, donc on a. Épée, encore. Sont où tes patates à toi? Je sais pas moi. Hein? Là, du coup, j'ai un zombie. Du coup, je gagne 3 points d'XP. Et deuxième action, je vais essayer de combattre l'Enderman. Ah, carrément. Tu veux mélanger? Non, vas-y. Je sais que tu mélanges bien. Mélange bien tes patates. Patate. Une patate. Épée, vraiment. Quatre. Échec. Ouais, dommage. Bah, j'ai encore un jeu des fausses. Ah. Et je le retape. Et tu le retentes? Oui. Mais t'as quoi comme truc fort? J'ai une houe, j'ai une épée à 3. D'accord, hein, ouais, t'as une épée à 3. Donc, il faut quand même 3, aucune patate quoi. Ouais, il faudrait aucune patate. Une patate, une épée. Je gagne 2 XP au moins. Au moins, tu gagnes 2 XP. Voilà. C'est bien. Je vais tenter de taper. Je vais essayer que la chance soit avec moi. Je vais m'attaquer à l'archer. Je vais prendre 3 patates directes. De toute façon, une patate. Ma TNT. Ouais, j'utilise ma TNT. Ouais. Bam, boum. Une TNT pour un petit archer. Donc il me rapporte 4 points de victoire. 1, 2, 3, 4. Et je le défausse et je rejoue. Et je vais prendre des ressources. Pour ma première. C'est comme si c'était ma première action. Ah, ouais. Ma première. J'ai une action supplémentaire. Ouais. Un bois. Une pierre. Et pour ma deuxième action, je vais faire une obsidienne, 2 pierres. Du bois, et je fais ce petit bâtiment là. Tadam, qui me rapporte 2 points de victoire immédiatement. Oui. Exact. 1, 2. Et c'est à toi. Ok, première action, je me déplace ici. Donc je découvre vraiment un Enderman. Encore? Un creeper et un machin. Un soleil te plairait bien. Ah ouais, faut que j'aille le chercher direct. Mais j'ai plus ma TNT. Vas-y, combat. J'arrive. Ah ouais, mais je peux pas me stuffer avant. Non, 3. T'as découvert, hein? Ouais. T'as fait tes deux actions. Ouais, c'est bon, j'ai fait mes deux actions. J'ai fait 3. C'est pas de bol. 1, 2. Première action. Deuxième action. Je vais là. Ok. Non, moi, première, je vais combattre l'Enderman. Je veux pas tuer. Donc je combats celui-là. Mais j'en ai marre, je fais tout le temps 3. Deuxième action, je vais combattre le creeper. Et là, je vais faire 6. 3 points par pierre, zone pierre. Patate, épée et yes. 4. Ok, je gagne 2 XP. Donc au total, je gagne 6 XP. Je vais le prendre. J'étais où là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. T'as fait tes deux actions? Oui. Première action, je me stuff, je pense à une c'est épée. Une épée en fer. Ouh, pas mal. Ah, tu vas le combattre et tu vas l'avoir. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tente ça? Tu vas bien réussir à l'avoir à un moment donné. 6. Fais voir ce que j'ai comme stuff. 2. Ouais, c'est impossible. Et je prends en deuxième action ça. Je prends un arc. Attaque de 2. Ah, c'est plus. Deux. Bah oui, mais plus une carte. Ah, plus une noire et plus une autre. Plus ouais, une autre bien. Plus.
On va absolument dessus. Ah, moi, donc, je vais faire 1, 2, et j'ai aussi un arc. Voilà, parce que moi aussi, okay, du coup, je découvre ici. Et oui, c'est bon. C'est bon oui, ok. Bon, bah, j'essaye d'attaquer le creeper. L'Enderman, ok. Ouais, l'Enderman. Pas voilà. Celui du multiplicateur pour mes terrains. Patate. Oui. Une épée. Une patate. 5. 5. Bah, quoi? Oh, c'est 6. C'est ma première action? Ouais. Je retente? Bah, oui, je retente. C'est bien à voir. Bon, je vais prendre. Là, tu vas voir, ça va être pire encore. Ça va être pire. Moi, j'ai tout le temps du bol à ce jeu. Je récupérerai une ressource. Ah! 4. Je retire. 2. Une patate. Et là, tu veux l'avoir. Une patate. Oh non. Bah, au moins, t'as le droit à une ressource. Au moins, j'ai droit à une ressource. Regarde tout ce que j'ai. Tu t'allais avoir une patate encore. Une ressource. Bah, un bois. Ok. Oups. Ok, vas-y, ma première action, je vais combattre l'Enderman du coup. Ouais. Je vais bien finir par l'avoir. Ah, si j'avais ma TNT là. Yes. Non, yes, pareil. Yes. J'ai gagné 2 d'XP. Deuxième action, bah, je retente encore. Vas-y. Je vais la voir, hein. Je vais pas te tuer, toi, ça va te faire les points. Ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 10 points en plus. Bah oui, c'est beaucoup 10 points en plus. Plus. À mon tour. Ouais. Je l'attaque. Oh, une épée en fer. Oh, non. Une épée. Oh, une patate. Deuxième action, tu retentes? Oh, j'en ai marre. Je sais pas, tu peux retenter ou pas. Ouais, mais bon, tu m'embêtes. Après, on s'est fait allonger la vidéo. Comme... Tu m'embêtes. Ouais, regarde tout ça. Le pollen. Tu m'embêtes là aussi. Moi, je le veux, Enderman. Allez, bah, moi, j'essaye. Je veux pas que tu l'aies. Mais j'essaye. Oh. Yeah. Allez. Yeah. Oh non. T'as touché une patate en plein milieu en plus. Je peux pas t'avoir une ressource. J'en ai marre. Bon, je crois que je vais abandonner, je te le dis. Tant mieux, ouais. Je vais aller prendre un bois. Non. À moi. Alors, parce que j'avais mon petit bonus là. Qui me disait que je pouvais piocher. Par première action, je vais combattre l'Enderman. Ouais, vas-y. Ouais, on rallonge. Voilà comment rallonger les parties. Super. Sauf si non, alors tu as deuxième de même, ben je vais là. Hop. Ok. Là, bon, je me casse. Voilà. Ouais, quand même. Moi aussi, je me casse. 1, 2, je vais là. Ça découvre ça. Mm-hmm. Oh oh. Et je me stuff. Okay. Une épée en diamant. Oh, trop cool. Trop cool. 4 attaques. Je vais me venger. Ok, alors première action, je vais prendre des ressources. Je vais prendre ça. Oh, oui. Ça. Mmh. Deuxième action, je vais construire ça. C'est 4 points que tu te fais, toi. Ouais. Oui. Première action, je me déplace. Mmh. Deuxième, avec mon épée en diamant. Je vais combattre le normal. Tu vas pas la voir. Je veux pas que tu l'aies. Il pouvait pas être là. Comme ça, j'aurais pu me stuffer en premier, encore une fois. J'aurais pu prendre la arme qui est là. T'étais là. Une épée en diamant. T'étais là. Et un arc. Et une épée. Dernière. Oh, bon, alors total. Mmh. J'ai bien mélangé. Je te le. Et je prends. Bah ouais, c'est bon. T'as eu tes 3 patates qui sont ensemble. J'ai eu l'autre normal. Pourquoi t'as tes 3 patates qui étaient ensemble? Force de. Là, je fais que mélanger depuis tout à l'heure. Hein. Donc, ça me fait 2 points de plus par mes petits trucs forêt. Je garde ça là, je fais un petit bonus et ça me fait 6 points direct. 1, 2, 3, 4, 5, 10. 14. Ouais, ça va, on a moins d'égalité. Vas-y. La première action, je vais là. Je combats l'Enderman. Bah oui, ça fait 6 XP. Hein. Oh. Hop, on mélange là. T'as vu que tes 2 patates étaient en dessous. Tant. Enfin, moi, je les ai vues. Ouais, ouais.
Je gagne 2 d'XP plus 6. 1, 2, ah oui, t'as ta houle. 5, 6. Oh là là, 24. Voilà. Ah, ça va mal de se passer encore. Et du coup, ça me fait plus 2 points. Alors, truc en bois. Ok, ok, ok. Je me déplace. Et je prends une ressource. Ok. Alors, il faut... Non, ça c'est moi. Oh, pardon. 1, 2. Donc, je découvre ici. Ouh. 4, il est tentant. Ça me refait une action derrière. Ça me fait 5 XP. Est-ce que je vais le tenter, hein? 4. Il suffit juste que je tombe sur mon épée en diamant. Je vais me donner un bon petit coup. Une patate. Une épée en fer. Yes. Une épée en bois. À toi. Ok, alors moi je vais faire 1, 2. Voilà je comment on perd. Une ressource. Je prends ça. Et ça. Ok. Et deuxième action ? Oui. Ah non, tu t'es déplacé. D'accord. Moi je prends une ressource. Et une deuxième. Bois, sable. Vas-y, on va quand même avancer. On a de la pierre, attends. Là, il y a de la pierre, si tu veux. Ouais, non, de l'obsidienne. Il faudrait de l'obsidienne. C'est pas grave. Bois, pierre. Je pense que je vais prendre la pierre ici. Ok. Et pour ma deuxième action, je paye une pierre. Et je construis ceci. Pour améliorer ma petite erreur. Okay. Alors, première action, je vais déposer un bois pour prendre ça. Après, je le construis ici. Donc. Ok. Et deuxième action, je vais combattre le creeper. Mm-hmm. Ouais, attends, non, je vais prendre des ressources. Je vais prendre ça et ça. Bam. Moi, j'avais pas vu. J'aurais dû le tourner là. Qu'est-ce que je fais? Ok. Première action. Ça m'intéresse pas. Et tu peux combattre le creeper? Ça m'intéresse pas. Ouais. Là, il y a quoi? Ah. Oh, laisse tomber. Je vais prendre des ressources. Mm-hmm. Oh, ça m'embête, ça. Ça m'embête fortement. Cette obsidienne, elle est cachée par le... Bah, je vais prendre ces deux-là. Première action. Est-ce que je finis la phase A? Non. Ah bah... Mais regarde, t'as encore plein de trucs à construire, toi, pour te faire des points. Ouais. Deuxième action, je vais construire ceci. Non. Et ici. Mais non, pour une obsidienne à bois. Mais c'est un pont. C'est un pont, en effet. Oui, mais et c'est une maison en bois, en plus. En plus, c'est une maison en bois. Bah oui, ça me faisait 5 points. Ah bah oui, mais qu'est-ce que tu crois? J'ai pas, moi, je fais 2, un de ici, hop. Je construis ça. Bah, t'es déjà en train de faire les maisons en bois, toi. Bah oui. C'est bizarre. Mm-hmm. Ça va aller vite, le décompteur. Je pense... Première action, je découvre. Tiens, cadeau. Je combats le creeper. Lequel? Celui du haut. Ouh, ah oui. Yes. T'en as encore une. Je m'en fous, j'ai pas d'XP. Non, mais il porte une ressource. Hop, je te fais tomber. Et je combats ce creeper qui me fait 3 points de plus par ma maison en pierre et 4 XP direct. C'est trop bien. 1, 2, 3, 4. Pour une fois que j'ai des bons monstres. À toi. Je vais faire... Je vais prendre des ressources. Je vais prendre le bois. Et ça. Tu finis pas la phase A? Et deuxième action, je vais combattre le creeper. Ok. Ok, ça fait 5 XP, pas mal.
Où est-ce qu'il y a des maisons en pierre? Pas de maison. Non, non, 3. Moi, je gagne 2 XP. Ouais. Ouais. Ok. Première action, je combats le creeper. Mm-hmm. Ah, pardon. C'est de mauvais côté. Dommage, c'était vachement bien. J'avais mon épée en diamant. J'avais mon épée en diamant juste au-dessus. C'est pas grave, regarde, je vais la tirer quand même. Je vais pas tirer que des patates toute ma vie. Bon. Heureusement que j'avais. Bingo! Ok. On fait 5 XP, je défausse. 1, 2, 3, 4, 5. Et du coup, t'as une action en plus. Et du coup, j'ai une action en plus. Je vais récupérer des ressources. Un bois. Oh, ça m'arrange pas du tout. Je vais plutôt faire pierre. Ok. Comment? Et je finis pas. Et je finis pas. J'ai encore une action. Ouais. Ah, j'ai encore une action. Je vais faire récupérer les ressources. Tac. Non. Et je finis la phase non, de non. Non, finis pas. Ah bah si, faut la finir. Ah, mais laisse-moi un dernier tour. Non. Si je la finis, c'est que j'ai une raison. C'est que je peux plus construire les trucs. S'il te plaît. Je suis presque plein, il n'y a rien qui me plaît. Alors, moi, s'il te plaît. Allez, laisse-moi. Non, s'il te plaît. T'as tout le temps gagné et à ce alors, jeu. Et alors c'est le jeu, c'est un truc. Ça fait partie du jeu, justement, de terminer les phases. Alors, moi, je fais. Attends. T'as quoi, toi? 6. 6. 6 fois 4, ça te fait 24. Ça va. 25 plus 24. 49. 25 plus 25. Attends, à moi. Moi j'ai 5 points. J'ai 5 points par zone de forêt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois 5. 1, 2, 3, 4, 5. Plus 30. Je fais combien là? 27. À 57. Oh! Moi j'ai dit combien, j'avais fait combien de points, moi j'ai dit 24. Ok, ouais, du coup 50, 40. Ouais. Ok, phase numéro 2 normalement, bon, la phase A est passée. Alors la B c'est... 1, 2, et je construis ça. La B c'est les bâtiments, mais alors là par contre je vais avoir de gros problèmes. Attends, peut-être que je peux... Ok. Phase numéro 1, je découvre. Je vais te faire des cadeaux. Ça m'arrange pas du tout. Ça m'arrange pas du tout, du tout, du tout. 4 XP plus maison. Ouais, j'ai pas de maison. Moi. Je m'en fous des maisons. T'as un multiplicateur pour les maisons, toi? Ouais. Non. Si. Si, mais une maison en bois. Ah ouais, faut pas que je te laisse. T'en as combien là? 4. 4. Ah ouais, d'accord. Ah, faut que j'aille vite là. Oh, je vais payer cher, je sens que je vais payer cher. Ok. Ok. Je vais construire cette maison. Là. Pour deux pierres en sable. Je vais mettre là. Ok. Ok, deux pierres, sable. Première action. Non, t'as découvert. J'ai découvert, donc fin de mon tour. Alors moi, je vais faire un, deux ici, donc je découvre. Et je vais construire, je vais combattre les creepers. Ouais. Hop, hop, et hop, super. Coup d'épée dans l'eau. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ah, j'irais bien le piquer en fait. Première action, je me déplace juste pour t'embêter. Deuxième action, j'attaque le creeper. Je vais te piquer 5 points. Patate, épée. Ah, plus 1. Oh, j'ai peur. Yes. Mon épée en fer. Mais t'es relou. Yes. 5 points. 1, 2, 3, 4, 5.
clac, et je me le défausse pour faire une action supplémentaire. Et vu que la chance est avec moi, je vais attaquer la sorcière. C'est une sorcière, ça ? Hein ? Je m'en fous, hein, des bâtiments en sable, mais... Non, je fais pas. Je vais plutôt récupérer des ressources. Faut de la pierre pour construire une maison. À toi. Action, je suis là. Dans une action, je combats le truc. Je vais bien sortir une main et l'épée. Ouais, ce serait pas de bol de tomber sur les trois patates. Ouais, voilà. Tranquille. Voilà, du coup, là, ça me fait 2 XP. Là, je le défonce. Et tu fais une action. Et je construis ça. Voilà, c'est quoi ? Ah oui, c'est pas très cher en plus. Ok, ok. Je fais 1, 2, je découvre. Et je vais construire ça. 3 pierres, un sable en bois. Je la mets là. Dans mon coin. À toi. Je découvre. Oh le bol là, j'ai que des. Que des qui montent sympa. Et re 3 XP. Oups, tu l'avais. Par contre, la troisième manche, je suis. J'ai rien prévu. Hein. Oh, super. Ah bah voilà, facile. 3 XP. 5 même. Tu défausses, j'imagine. Ouais. Et je vais prendre des ressources. Ok. Bingo, bingo. Ok, moi il me faudra une maison. Pardon. Il me faudra une maison en pierre. Je n'ai aucune maison en pierre. Ça me botte fortement. Il n'y a rien là. Qu'est-ce que je peux faire ? Alors, on va avoir fini la sorcière. Mais c'est beaucoup trop puissant ton truc, sérieux. Ça fait plus 3 et c'est déjà à 5, ça fait 8 points. Ouais, j'ai déjà 8 points par maison en pierre, mais j'en ai aucune, tu vois. Comment ça t'en as aucune ? T'en as 1, 2, 3, 4, 5. Non, là, j'en ai aucune à construire. T'en as déjà 5, c'est bon. Oui, mais j'en ai aucune à construire. Pas rien. Bah alors, voilà, j'en ai aucune à construire. Alors, attends. Oh là là, c'est rush ça. Pop, ça va demander beaucoup de ressources, ça. Ok. Maison en bois, toi ? Je fais 1. Je prends des ressources. Un bois, c'est sûr. Et... Une émeraude. Tiens, je fais le tour en arrière, cadeau. Donc, ok. Bah, moi, je vais faire 1, 2, je construis ça. Tac, et je construis ça là. Parce que si je le construis là, c'est bien, parce que du coup, ça me fait ça plus maison, mais là aussi, c'est déjà maison. Au milieu. Mais du coup, je construis là. Bah oui. Ah, t'auras quand même un peu de temps pour faire ta maison. Ah, c'est quand même pas mal. Hein. Attends. C'est quand même pas mal. Là, je pensais que t'allais construire ça. Ben, moi, je vais construire ça. Pour 2 bois, 1 pierre. Ça se trouve, je fais n'importe quoi. Ce qui est, je pense, fort probable. 2 bois, 1 pierre. Je dépense 0. Que dalle. Première action. Et la deuxième, je découvre. Toi. Première action, je découvre aussi. Hop. Super. Deuxième action, je combat la sorcière. Yes. Nice. Parfait. 7 du coup. Attends. 5. 1, plus 2. À mon tour. Hop, je prends ça. À mon tour, non ? Ouais.
Ok. Ok. Maison en pierre, après je prends de la pierre, sable, bois. Voir. Ouais, là. Alors je prends une émeraude, première action. Première action, je prends ça. Bois, bois. Il me faut deuxième action. Je prends un sable. Il va falloir qu'on une pierre. À toi. J'ai fait que des ressources. Ok, ah oui. Et ben, moi, je vais... Je sais pas. Oh, bah vas-y, bah moi aussi, hein, parce que j'ai rien. Alors, je prends ça et ça. Voilà. Ok. Deuxième action, je vais faire 1, 2, du coup, et je vais... Oh, je crois que tu peux prendre des ressources. Oh, pas mal. Je n'aurais pas dû prendre des ressources. Ah bon? Des obsidiennes, de pierre. Je peux pas prendre. Non, t'as fait. C'est des choix, oui. On va pas revenir quand même. Je vais construire ça. Deux pierres, un sable. Alors je vais déjà payer deux pierres. Un sable, un bois. Et je construis une maison en pierre. Ici. Toup, et je gagne 2 XP. 1, 2. Première action. Deuxième action. Je vais. Ça ne m'arrange pas du tout. Attends, les maisons. 4. Maison. Il y a quoi comme symbole maison? Il n'y a plus rien. Je vais récupérer des ressources. Sable, obsidienne. J'accélère un peu la partie. On s'amuse à construire. Je prends 4 ressources. Bon, direct. Tac. Ok. Bon, alors là, t'as pris. Purée, t'as pris. Deux émeraudes. T'as pris toutes les émeraudes disponibles. Il y en a plus. J'ai pris 2 émeraudes, un sable et un obsidienne. Il n'y a plus de pierre. Il y en a une. Où? Ah oh, il me reste une pierre. Ok. Ah ouais, d'accord, ça va être violent. Hein. Ça va être violent. Je découvre. Mais non, mais... Bon, je la construis direct. Une pierre, un sable. Ça se fait pas. Moi, j'ai plus aucun bâtiment. Plus aucun bâtiment. C'est rien qui me plaît. Et je la mets ici. Sur ma maison. Ok. Voilà. Okay, première action? Non, t'as fait 2 actions, t'as découvert. Ok. Okay, j'oublie tout. Première action, je prends ça. Je construis là. Alors, en bois, deuxième en pierre. Mais tu vas faire le tour du monde avec tes maisons en pierre. En plus, t'as 2 points de plus par maison en pierre. Elles font 5 points. Je construis ça. Je prends ça. Carrément, quoi. Est-ce que j'ai mis une jetons d'attaque ou... Aucune idée. Là. Vas-y, attaque. Vas-y, tu peux y aller tranquille, je vois ce qu'il y a, c'est encore les mêmes. Hein. Ouais. J'ai mangé ou pas, je sais pas. 2 plus 4. Ça me paraît en effet mal mélangé tout ça. Et j'ai encore une action. Tu les défausses? Ouais. Et je prends les 2 derniers trucs. Ah, et tu prends les 2 décomptes. Phase B là. Alors moi j'ai les maisons en pierre, plus mon multiplicateur, ça fait 8. 7 x 8. Moi j'ai 7 x 5. T'as 7 x 5? Ouais. Je crois. Ouais. Ok, dernière phase. Ouais. Dernière phase. C'est là où. C'est là où ça va pas. J'ai aucun multiplicateur, rien du tout. Ouais, bah moi aussi. Mais ça m'arrange. Ça m'arrange fortement. J'ai envie de dire je vais découvrir. Super. Je crois que la partie va aller très vite. Oui, parce que là il n'y a rien qui est bien. Je découvre des ressources.
Ok, ben moi je vais faire je vais faire 1. Non, je vais faire je sais vraiment pas quoi faire. Je me demande s'il n'y a pas une fin de truc quand... Non, 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 non. Il n'y a pas. 1, 2, je vais aller là. Première action et une deuxième action, là je vais construire. Là, on voit, on a du mal à compter. Hop, et. Je vais construire ça ici. Ok. Moi, ça va être très rapide, regarde. Je. Hein, pour raccourcir le truc, je prends deux ressources. Et c'est la fin du décompte. Ouais, j'ai aucune maison. Regarde, je veux pas la construire. Tout ce que tu vas faire, c'est toi, tu vas faire des points. Moi, j'en ai déjà 1, 2, 3, 4. J'ai 4 maisons. 4 x 4, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 35. Bah, moi, j'en ai 2, tu vois. Bah oui. J'en ai 2 ou alors 3 comme ça. 3 x 3, 9. Ou 2 quoi? 2 maisons? 8. Bah, prends les 9 points. Oui, hein. Les 9. Les 9, regarde quoi. 19. Aurais-je gagné ma première partie? Ouais. Ouais, parce que non, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi cette partie. C'est tout quoi? C'est parce que j'ai accéléré. Je t'ai pas laissé construire. C'est ça aussi le jeu, faut regarder l'autre, voir si c'est à ton avantage de construire ou de construire. Ou de, d'accélérer et de récupérer des ressources comme je viens de faire. Bon bah c'était très bien. Voilà, c'est parti, je sais pas combien de temps on a mis. J'ai un peu accéléré les deux phases. Les deux dernières phases. Voilà. C'était une partie de Minecraft. Bulgarian et Biomes. Voilà, très très sympathique. Ouais. Ciao, ciao. Ciao.